Salut à toutes et à tous, c'est Check Dacrou, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo de la Know You Rage Motherfucker. Aujourd'hui, je me charge de vous concocter une petite annonce de live stream, les bros, la Team Rage, c'est-à-dire Styler, Rage Ghost, Locked Two et puis tous les membres qui pourront passer. Est en live stream 48 heures non-stop sur Twitch, donc n'hésitez pas à y aller. Ils ont déjà commencé hier à 20h et vous en avez jusqu'à demain 20h, donc voilà, 48h. Ça va être des relais des membres de la Know You Rage. Moi, je passerai faire des petits coucous quand je pourrai. Il y aura aussi Tonio qui passera, il y aura Grony qui passera, donc n'hésitez pas à aller voir, ça fera plaisir. Il y aura du délire, il y aura du gameplay, le lien est bien sûr dans la description. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, un bon appétit, de bonnes fêtes de fin d'année si on se reparle pas avant. Et puis, une bonne vidéo, puisque voilà, c'est parti. Allez, à plus les gens. Hey yo tout le monde, c'est Mr. Alpha Wolf, comment ça va? Écoutez, moi les gens, ça va vraiment super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne de la Know Your Rage, une vidéo qui j'espère vous plaira, j'en suis même convaincu. Aujourd'hui on se retrouve avec Rage Wizix pour un gameplay de port. Les gens, ils nous réalisent une nuke en 130 secondes ainsi qu'un 52 gun streak sur la map combine avec la VMP. Donc toi, si derrière ton écran tu veux aller le féliciter, n'hésite pas à aller à t'abonner à sa chaîne. Avec ce gameplay, je vous ai concocté un petit sujet, donc je pense que le sujet, tout le monde connaît un peu de quoi je vais parler. On va parler un peu de l'émulateur PS2 et tous les jeux PSD qui sont disponibles actuellement sur PS4. Donc voilà, je pense que c'est une nouvelle qui vous a touché un peu les oreilles. Je sais pas trop si c'est une expression qui existe, mais bon, c'est pas grave. Faut savoir que l'émulateur PS2, j'ai fait une vidéo dessus un peu plus en détail, c'est tout simplement un système qui a permis à Sony de développer les jeux PS2 sur PS4, c'est-à-dire que les jeux PS2 seraient disponibles sur le PlayStation Store directement sur PS4 et vous pourrez les acheter à certains prix. Bien sûr, cet émulateur PS2 présente beaucoup d'avantages puisque les jeux vont tourner en 1080p ainsi qu'en 60fps, alors que sur les anciennes générations, donc sur PS2, je pense qu'ils ne tournaient pas du tout à cette qualité. Après, le seul défaut, c'est que deux bandes noires sont présentes, bien sûr, pour améliorer cette qualité. Mis à part les améliorations apportées sur la qualité, il faut savoir que des trophées ont été ajoutés au jeu parce que bien sûr, bien avant, sur la PS2, il n'y avait pas encore de trophées, si je vous dis pas de bêtises. Donc voilà, il y a une liste de trophées qui a été apportée à tous les jeux qui sont PS2 qui sont désormais disponibles sur PS4 et je pense que c'est vraiment une bonne chose parce que moi personnellement, je kiffe chasser mes petits trophées platine. Voilà, c'est vraiment un grand gros kiff pour moi. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de l'émulateur PS2, les gens, on va parler des jeux PS2 qui sont actuellement disponibles sur PS4. Donc on va commencer avec Darkloot, qui est un jeu qui mêle action et aventure. Donc c'est un jeu de rôle tout simplement qui se vend au prix de 15$, 15€. Faut savoir que c'est pas 15$, oui, 15$ ça fait pas 15€, je sais, mais sur le store français il est au prix de 15€. Après, on retrouve Grand Theft Auto 3, donc GTA 3 au prix de 15€. Encore une fois, je pense qu'il n'y a pas besoin de présenter ce que c'est GTA, je pense que tout le monde connaît GTA. Puis attention, revient Vice City et San Andreas au prix de 15€ chacun, qui sont deux GTA vraiment mythiques de la série. Donc tous les fans de GTA, tous les puristes de cette série, franchement, foncez sur le PSN. En plus, ils sont remasterisés avec une meilleure qualité, donc je vous le conseille vivement. Après, on va retrouver Rogue Galaxy, donc qui est un jeu de rôle disponible sur PS4, donc qui est un jeu PS2 remasterisé, bien sûr. Donc voilà, je ne sais pas trop ce que c'est comme jeu, je ne connais pas trop, je vous invite à aller découvrir par vous-même, tout simplement. Après, on va retrouver également The Mark of Crime, qui est un beat'em all, donc sur PS4, qui était un ancien jeu PS2, donc c'est un peu un jeu de combat qui a l'air plutôt pas mal, ma foi, et je pense franchement que lui, je vais me le prendre. Puis on termine avec Twist Metal Black, les gars, qui est un jeu d'action sur PlayStation 2 qui se vend au prix de 10€ sur la PS4. Puis War of the Monster, donc qui est un mélange de combat et de catch sur PS4 désormais, qui se vend au prix de 10€ également. Donc voilà, c'est tout pour les jeux PS2 disponibles actuellement sur PS4. Je ne sais pas trop ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire parce que moi personnellement je suis assez sceptique par rapport à ça. On en a que 8 pour le moment et sur les 8, je pense qu'il n'y en a que 3 qui valent la peine, donc Vice City, San Andreas
et The Mark of Cry. Après, je ne sais pas, ce n'est que mon avis, donc n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire. J'espère qu'ils vont sortir d'autres jeux prochainement, parce que sur Xbox 360, enfin sur Xbox One, voilà, la rétrocompatibilité, je pense qu'il y a un peu plus de jeux que ça, voilà, donc je pense qu'on se fait un petit peu couiller également. Après, laissez-moi aussi également votre avis, les gens qui sont chez Microsoft, pour voir un peu ce que vous en pensez de notre émulateur PS2. En tout cas, les gens, c'était Mr. Alpha Wolf. Si vous avez aimé mon commentaire, si vous avez aimé le gameplay, n'hésitez pas à aller check ma chaîne, ainsi que la chaîne du joueur. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne de la Know Your Rage si c'est pas encore fait. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur cette chaîne qu'est la Know Your Rage. Et peace tout le monde, c'était Mr. Alpha Wolf.